bienvenue dans ce vlogmas numéro 5, je crois. On est lundi 20 novembre. Comme tous les lundis, je rentre tout juste de mon cours de Pilates réformeur. C'était très chouette, comme tous les lundis. En plus, la prof nous a vachement félicité. Comment réussir à parler avec du beurre de cacahuète dans la bouche? Parce qu'elle trouve qu'on fait des progrès. Et elle nous a dit des trucs... Trop sympa, donc ça m'a boosté pour la journée, pour la semaine même. Comme d'habitude, je suis en train de préparer mon smoothie protéiné. Je suis très monomaniaque dans l'alimentation, c'est-à-dire que ce smoothie, c'est le même tous les lundis. Et mon petit déjeuner est le même les autres jours de la semaine, depuis des semaines justement. Et en fait, ça me pose aucun souci jusqu'à ce qu'un jour, je ne puisse plus voir le dit petit déjeuner en peinture. Donc écoutez, pour le moment ça va, mais jusqu'au jour où je n'en pourrai plus et il faudra que je me trouve une nouvelle recette. Une fois qu'on a fait un smoothie, bien sûr, la plaie c'est de devoir nettoyer l'appareil. Je vais m'y atteler tout de suite parce que après ça sèche, c'est une galère. Sinon, on a passé un super week-end. On avait des copains samedi à la maison avec leur fille qui a 3 ans, qui s'entend hyper bien avec Inès. Enfin, c'est vraiment... Peut-être que si vous évoluez dans le milieu de la petite enfance... Et ou si vous avez des enfants, ou que vous avez des enfants autour de vous avez déjà observé ça, mais je dis ça comme si c'était la nouvelle du siècle, mais dans la société, en règle générale, il y a des gens qui s'entendent et des gens qui s'entendent pas, et chez les enfants, c'est flagrant, il y a des amitiés, il y a des duos qui sont compatibles et d'autres pas. Et là donc, par exemple, nos filles ont 3 ans d'écart, ce qui est énorme à cet âge-là, mais elles ont joué toute la journée ensemble sans que ça pose de soucis à l'une ou à l'autre. Elles s'entendent super bien, et à l'inverse, ma fille a des amis de son âge, avec lesquels je trouve que ça ne fonctionne pas, et même, je le vois dans le comportement, puis même ma fille derrière, je la sens déçue ou un peu peinée, ou bref, il y a plein de sentiments un peu contradictoires qui font qu'elle n'est pas tout à fait heureuse ni à l'aise à leur contact, ce qui n'est pas du tout un problème, mais du coup c'est marrant je trouve de voir ça d'un œil extérieur et de se rendre compte qu'avec certains enfants ça matche bien et avec d'autres ça matche pas. Voilà, je dis ça comme si c'était l'info du siècle, mais... En tout cas, c'est intéressant à regarder ça en tant qu'adulte, je trouve. Et hier, dimanche, on n'a pas fait grand-chose, on est resté à la maison. On a fait un peu de rangement, j'ai fait pas mal de tri, j'ai vendu pas mal de choses sur Vinted. Inès grandit comme un champignon, enfin ça date pas d'hier, mais c'est assez flagrant. Donc j'ai vendu plein de choses, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages un peu étonnés en me disant « Mais tu vends des affaires en 10 ans ?» Oui, parce que Inès met du 12 ans, et le 12 ans n'est pas grand, hein. Le 12 ans il va tout juste, donc le 10 ans est vraiment trop petit. Sauf rares exceptions d'une pièce ou deux qui lui vont encore, mais sinon elle est en 12 ans des pieds à la tête. Mais là je pense que pour l'hiver on est bon. On lui a racheté des skis et des chaussures de ski pour ses cours qui démarrent en janvier. Chaussures c'est fait, manteau c'est bon. Je pense que celui de l'année dernière, exceptionnellement, ira encore, mais il était bien grand. Faut que je lui réessaye quand même parce qu'on va se retrouver début décembre sans avoir un seul manteau à sa taille. Jupe, robe, pantalon, collant, chaussettes, etc. On a refait le plein donc... Normalement, on est bon. Pendant que j'y pense, je vous montre ma petite astuce pour nettoyer un blender. Vous mettez une goutte de liquide vaisselle. Moi, c'est un flacon de pompe, donc une pompe. Vous mettez un petit peu d'eau tiède, genre ça. Vous remettez le... Donc là, vous l'avez juste rincé avant. Hein. Vous remettez le bouchon, vous fermez bien, hein, parce que c'est de l'eau, donc ça va en foutre partout. Vous le faites tourner une fois à fond, vraiment au programme le plus puissant. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile à rincer. Ça enlève quand même les gros morceaux... Et ça nettoie à 90% blender. Faut bien sûr repasser après au détail avec son éponge, mais ça fait quand même 90% du travail. Et une bonne petite douche plus tard, me revoici vêtue pour la journée. Je vous fais ma petite tenue du jour, toujours ce pull Zara. Alors chez Zara, les collections tournent tellement que je ne sais pas s'il est encore disponible. Si c'est le cas, je vous mettrai un lien sous la vidéo. Si vous ne voyez pas de lien, c'est que je ne l'ai pas retrouvé. Mon collier, c'est un collier Marceline. Marceline Paris, la marque n'existe plus, ce qui est fort dommage. Ils faisaient des jolies petites médailles personnalisées, et puis ça c'était un collier, voyez, lune, étoile, enfin moi c'est tout ce que j'aime, hein. Les trucs avec des lunes et des étoiles, j'adore. Il y a des petites pampilles, c'est de l'or rose, bon à mon avis il y a carrément moyen de trouver ça dans une autre marque. Oui, plusieurs personnes ont remarqué que mon chat ne remue plus la queue. La pile fonctionne puisque... L'horloge est toujours à l'heure, mais il faut que je fasse un réglage pour remettre le balancier et j'ai pas encore eu le courage de m'atteler à ça. Mais je vais m'y atteler. Mon jean, le Louisette de chez Des Petits Hauts. J'ai des boucles d'oreilles en étoile Nouvel Amour que je porte à peu près tous les jours. Et pour mes cheveux, j'ai utilisé mon Air Wrap de chez Dyson Air. Je vais vous refaire un petit point d'ailleurs parce que j'ai beaucoup de questions à son sujet. Ce que je comprends complètement vu le prix du produit, mais je vais vous faire un petit point Air Wrap. Donc, le Air Wrap, je vous ai fait une vidéo complète.
il y a presque 4 ans, puisque je l'ai reçu en cadeau à Noël 2019. Donc ça fait 4 ans que je m'en sers. J'ai la première version qui n'est plus commercialisée. Et vous pouvez probablement la retrouver sur Back Market, Le Bon Coin. Enfin, des gens qui revendent tout simplement leur premier appareil. Mais je crois qu'il n'est plus commercialisé au profit de la V2 qui, alors j'espère que je ne me trompe pas, a le même moteur. Tout pareil, la technologie est identique. C'est juste que les brosses sont un petit peu différentes. À commencer par la brosse, enfin l'embout qui ressemble un peu à un sèche-cheveux qui maintenant possède aussi une fonctionnalité pour enlever les petits frisottis sur le dessus de la tête. Donc elle sèche et elle enlève les frisottis alors que celle-ci ne fait que sécher. D'après ce que j'ai compris, la brosse lissante et la brosse arrondie sont les mêmes. Et concernant les embouts boucleurs, vous pouvez choisir donc toujours le diamètre, ce qui était déjà le cas pour la première version, mais vous pouvez acheter la version Dyson Airwrap longue, si je ne dis pas de bêtises, j'espère que je ne me trompe pas, avec des rouleaux plus longs. Donc moi, si aujourd'hui je devais le racheter, je l'achèterais dans cette version longue. J'ai d'ailleurs déjà hésité à acheter, on peut acheter les pièces séparément, à acheter les rouleaux en version longue parce que j'ai des cheveux très longs et que parfois j'ai du mal à boucler sur toute la longueur du cheveu. J'ai pas encore fait cet achat, je sais pas si je vais le faire à l'avenir. Objectivement, je suis déjà très contente de ces embouts, donc je pense que je vais rester comme ça pour le moment. Donc je vous renvoie vers cette vidéo. Si vous voulez la démo complète, c'est pas sponsor du tout, hein, c'est un cadeau, enfin ce sont mes parents qui m'ont offert le Airwrap pour donc, Noël 2019. Je vous dis sincèrement ce que j'en pense, mais je reçois régulièrement des messages aujourd'hui qui me disent « Est-ce que ton avis a évolué ?» Donc non, mon avis n'a pas évolué à son sujet, je vous invite à regarder cette vidéo pour comprendre pour quel type de cheveux je le conseille. Attention, pas tous les types de cheveux. Je vous le redis, mais si vous avez déjà plein d'appareils et que vous arrivez déjà à un résultat satisfaisant avec ce que vous avez, c'est quand même un énorme investissement, donc je ne conseille pas forcément. En revanche, si 1. vous n'avez pas de matériel, ou peu de matériel, ou un matériel de mauvaise qualité, un peu obsolète, etc. Si vous avez le budget et si vous n'êtes pas très doué en coiffure, parce que je trouve quand même que cet appareil, il donne des résultats très satisfaisants pour des gens qui ne savent rien faire avec leurs cheveux, ce qui est mon cas. Je peux éventuellement vous conseiller l'achat, mais voilà, je vous renvoie vers la vidéo pour vraiment faire vos recherches. Éventuellement, si vous arrivez à le tester, si une copine peut vous le prêter, peut-être qu'en boutique Dyson on peut faire des essais, je vous conseille vivement de faire ça parce que voilà, c'est un très gros investissement. J'imagine que ça se revend quand même assez facilement, mais vous allez forcément perdre de l'argent. Donc je l'ai utilisé hier pour mon petit brushing qui est un petit peu retombé, mais parce que j'ai les cheveux qui sont très très longs en ce moment, donc c'est difficile de faire tenir. Sachant que moi je n'utilise pas du tout de produits de mousse, de choses pour faire tenir les boucles, de la laque, ce genre de choses. C'est vraiment juste les boucles sur mes cheveux fraîchement lavés et... avec un soin posé sous la douche. Vous me voyez pas souvent coiffée comme ça, pourquoi? Parce qu'en fait le brushing vraiment avec les brosses etc, c'est long. Alors ça dure pas des heures, mais il faut quand même une trentaine de minutes. Et alors les 30 minutes je les ai, mais j'avoue que j'ai pas toujours envie de mettre 30 minutes dans un brushing que je vais garder 3 jours puisque je me lave les cheveux tous les 3 jours environ. Donc j'ai pas toujours le courage de le faire, mais je suis objectivement très contente du résultat. Et si j'avais l'envie d'y passer 30 minutes tous les 3 jours, je le ferai tout le temps. Ah si, ce qui a changé par rapport à la vidéo, c'est que je vous expliquais que j'utilisais les embouts boucleurs un peu de façon anarchique, c'est-à-dire dans un sens, dans l'autre, sur toute la tête. J'ai quand même remarqué que c'est plus joli quand les boucles vont vers l'extérieur, à gauche et à droite. Auquel cas, alors moi j'ai toujours un peu de mal à comprendre le sens des flèches, donc je fais un essai. Auquel cas, j'utilise cet embout sur la moitié gauche de ma tête et cet embout sur la moitié droite. Donc je divise mes cheveux en deux, je me fais comme deux couettes. Et chaque séparation, je la divise en 3 étages pour pouvoir vraiment faire des petites mèches. C'est un peu le secret du produit, on est tenté de mettre des plus grosses mèches pour aller plus vite et en fait c'est complètement contre-productif, il vaut mieux prendre des petites sections, des petites mèches et finalement, paradoxalement, on y passe moins de temps qu'en prenant des grosses mèches qui vont rester humides et qui ne vont jamais vraiment fixer la boucle ou le style qu'on donne aux cheveux. Voilà pour ce bilan sur le Airwrap, mais j'en suis toujours ravie. Même si ça reste un très gros investissement, moi ça me permet d'aboutir à un résultat que je ne peux pas atteindre avec un sèche-cheveux, une brosse ronde, un boucleur, parce que je ne sais pas faire. Et que si je voulais par exemple ça avec un boucleur, il faudrait que je me sèche complètement les cheveux, donc vraiment qu'ils soient secs à 100%, ce qui me prend énormément de temps. Et ensuite, reboucler l'intégralité de ma tête. Je pense que j'en ai pour une heure, pour un rendu qui je pense ne sera pas aussi beau. Alors que là, c'est vrai que je peux styliser et sécher en même temps, ce qui pour mon type de cheveux, j'insiste, est très intéressant, mais ne conviendra peut-être pas à tout le monde. J'ai mis du rasel à noutes dans mon café. Alors, je l'ai pas fait volontairement, hein, mais je me suis préparé mon petit latte parce que ce matin, j'avais pas bu de café. J'essaye d'en boire un ou deux maximum par jour. Et je voulais me faire un gingerbread latte. D'ailleurs, la recette est sur Instagram. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc, un peu de sirop de pain d'épices, café, mousse de lait, et puis on met un peu d'épices à pain d'épices sur le dessus. Et j'étais sûre d'avoir rangé le pot d'épices à pain d'épices à un certain endroit dans le placard. Habituellement je vérifie toujours, mais là j'étais sûre de moi, et donc j'ai mis du rasel à noutes sur mon latte. Voilà, j'ai goûté quand même, parce que parfois il y a des mélanges assez surprenants.
Non, c'est pas possible, c'était infect. Et je m'en suis rendu compte tout de suite, hein, parce qu'en fait ça sent très très fort le razzelanout, donc je me suis tout de suite rendu compte que c'était pas la bonne épice, et la couleur était pas tout à fait la même non plus. Donc voilà, pour ma connerie du jour. Je suis devant mon ordinateur, je suis en train de rédiger des articles idées cadeaux pour Noël. Je le fais quasiment chaque année, et en fait chaque année je me dis, bon, est-ce que je le refais parce que je l'ai déjà fait l'année dernière et que peut-être que les gens n'ont pas besoin d'inspiration. Et chaque année, on m'envoie des messages, des mails pour me demander de le faire. Donc ça y est, c'est en cours, je suis en train de rédiger ça, j'avais mis de côté quelques petites idées. Donc je les compile, j'ai le petit montage à faire pour les photos, etc. Quand vous verrez ce vlog, j'imagine que au moins le premier article sera sorti, c'est celui sur les idées cadeaux à moins de 20 euros. Je crois que l'année dernière j'avais fait moins de 30 euros, mais pour moi un vrai petit budget c'est vraiment nettement en dessous de 20 euros. Pour une collègue, pour une amie, pour un petit cadeau à faire rapidement. Avec l'inflation et la crise qu'on vit en ce moment, je pense que c'est bien aussi d'offrir des trucs dans des montants raisonnables parce que je pense que tout le monde galère un petit peu en fin d'année. Donc je vous mettrai cet article sous la vidéo si ça peut vous inspirer. Et si vous avez besoin de davantage d'idées, je vous laisse taper idées cadeaux dans la barre de recherche de mon blog et vous tomberez sur les articles des années précédentes. Pas forcément pour les produits que je vous présente, mais peut-être au moins pour vous donner des idées. Et c'est une fin de journée, le divin enfant est au lit, on a dîné. Je suis en pyjama, mais je réalise que j'ai pas encore enlevé mes boucles d'oreilles. J'irai me démaquiller avant d'aller dormir, puisque ma douche a déjà été prise ce matin. Je suis devant la télé, j'attends Quentin qui est en train de finir quelque chose pour le boulot. Et ce soir, on regarde le dernier épisode de L'amour est dans le pré, la deuxième partie du bilan, sachant que je pense que c'est la plus croustillante. J'ai évité de regarder un maximum de spoilers, mais j'ai quand même vu des images qui m'ont bien plu, à savoir Karine Le Marchand qui s'énerve copieusement contre Justine qui a été assez odieuse avec Patrice. Bref, pour les personnes qui ne suivent pas L'amour est dans le pré, ceci est probablement la dernière vidéo où je vous bassine avec cette émission, mais je suis tellement contente d'avoir suivi toute la saison cette année. Peut-être que vous m'entendrez en parler encore demain matin éventuellement pour vous faire justement le débrief de l'émission que je m'apprête à regarder, mais promis, après, on change de sujet. Je vous invite à participer pour tenter de gagner la Neroli Box numéro 5. Pour ce faire, suivez toutes les conditions de participation qui sont notées dans la barre d'infos. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour la suite des Vlogmas.